Ouais, je pense qu'on est correct là. Merci pour cet avis-là. C'est bon. Alors, merci, Madame Leblanc. Merci de votre confiance. Alors, sachez que je ne serai pas maire d'un jour. C'est pas possible non plus. Puis je ne serai pas maire suppléant d'un jour non plus, mais je vais essayer d'être animateur de la soirée. Qui soit, comme l'a dit notre directeur général, qui va être relativement courte et on s'en excuse. Donc, notre façon de travailler ce soir, c'est de. Approche-toi du micro Ouais. un petit peu. Notre façon de travailler ce soir, ça va être de traiter principalement les points qui touchent la trésorerie. Pourquoi? Parce que on a un règlement d'emprunt à régulariser. On a aussi des fournisseurs à payer. C'est les points qu'on va traiter ce soir et vous dire que par la suite, on va ajourner, qui veut dire que lundi prochain, même heure, au même endroit, on va traiter l'ensemble de l'ordre du jour. Fait que, ce qui fait que vous avez l'ordre du jour ce soir qui vous est proposé, donc on va s'en aller au point 6. Mais par contre, si vous avez des questions sur l'ensemble de l'ordre du jour, on peut accueillir vos questions et voir si on est capable d'y répondre. Sinon, on reporte le tout à la prochaine séance lundi prochain. Alors, si ça vous va comme ça, on n'a pas de questions non plus en ligne, monsieur Oudet. Non. Vous comprendrez que je vais essayer d'avoir l'air aussi intelligent que possible avec des propos dont je ne maîtrise pas tout à fait l'ensemble des contenus, mais heureusement, le directeur général va être là pour compléter, si vous voulez, de l'information relativement à cette question-là. Donc, on y va avec le point en 6.1. Donc, vous avez compris qu'on va traiter tous les points qui sont à l'ordre du jour pour les dossiers de la trésorerie. Donc, en 6.1, Ça prend quand même une de proposition pour proposer adopter pour l'ordre adopter du l'ordre du jour jour. malgré les différents points qui seront ajournés. Merci beaucoup. Alors, j'accueillerai Esteban. Ça prend le quorum, en fait, là, le quorum qui est de quatre. Ça prend le conseil municipal est constitué de 7 personnes. Donc le quorum est de 4. Mais le quorum, il faut être au moins 4 pour pouvoir tenir une séance. Ben oui, c'est par respect pour la présence du maire ou du maire suppléant. C'est qu'habituellement, dans des circonstances normales, une de ces deux personnes-là prépare l'animation de la rencontre de travail qui a lieu précédemment à la rencontre publique et se prépare à l'animation de la séance publique, ce qui n'a pas pu être le cas actuellement. Puis on a constaté ça là dans, je dirais, exactement, habituellement la personne qui préside la réunion. Là, vous comprenez que M. Leblanc, c'est porté volontaire à la dernière minute, mais habituellement le président de l'Assemblée, qu'il soit le maire ou le maire suppléant, prépare la tenue de sa rencontre, va animer la rencontre de travail avec les membres du conseil et va animer la séance publique. On n'a pas cette préparation-là préalable. Donc, on a préféré ajourner ces points-là je dirais, pour que ça se passe dans les règles de l'art. Question très pertinente qu'on s'est d'ailleurs posée. Pourquoi on ne file pas pour l'ensemble de l'ordre du jour? Ouais. C'est exactement la question de la préparation. Oui. D'ailleurs, les points qui vont être discutés, bon, c'est relativement préparé tantôt, on va des points discutés. Mais définitivement, je n'ai pas la maîtrise du dossier comme M. le maire aurait pu.
pour présenter chacun de ces points-là. Alors, je vais limiter à l'animation des textes comme tel. Avec le maire pour le participer à ce projet. D'autres questions, d'autres remarques? Alors, sinon, on y va. Merci. Soumission donc pour l'émission, c'est-à-dire la résolution de concordance, de courte échéance et de prolongation relativement à un emprunt. Alors, ce point-là, comme je vous l'ai dit dans l'entrée de jeu, on a à consolider l'ensemble de nos décrets. Donc, résolution de concordance de courte échéance et de prolongation relativement à un emprunt par pilier au montant de 702 000 $ et ce sera réalisé le 19 juin 2023, d'où l'importance de tenir la réunion ce soir. Le projet de résolution se lit comme suit, considérant que conformément au règlement d'emprunt suivant et pour les montants indiqués en regard à chacun d'eux, la ville de Carleton-sur-Mer souhaite emprunter par billet pour un montant de 702 $ et qui sera réalisé le 19 juin. Donc, qui se répartissent comme suit au règlement d'emprunt 2716, un montant de 28 600, 2705, un montant de 79 600, 2015, un montant de 360 000 et en 2022, un montant de 234 000. Donc, considérant qu'il y a lieu de modifier les règlements d'emprunt en conséquence, considérant que conformément au premier alinéa de l'article 2 de la loi sur les dettes et emprunts municipaux, pour les fins de cet emprunt et pour les règlements d'emprunt au numéro, je dis tantôt, la ville de Carleton souhaite réaliser l'emprunt pour un terme plus court que celui originellement fixé à ses règlements. Considérant que la ville de Carleton-sur-Mer avait le 12 juin 2023 un emprunt total de 108 200 sur un emprunt original de 199 100 concernant le financement des règlements d'emprunt numéro 2716 et 2705. Alors donc, considérant qu'en date du 12 juin 2023, cet emprunt n'est pas renouvelé et considérant que l'emprunt par billet qui sera réalisé le 19 inclut les montants requis pour ce refinancement. Alors, dans ces termes, j'accueillerai une proposition, conseiller, conseillère, si tout est conforme. M. Turcotte propose. Alors, voilà pour le point 6.1. Soumission maintenant pour l'émission des billets. Alors, on va ici voir la proposition qui nous est faite. Proposé. Considérant que la ville de Carleton-sur-Mer a demandé à cet égard, par l'entremise du système électronique, service d'adjudication et de publication des résultats de titres d'emprunt émis aux fins de financement municipal, des soumissions pour la vente d'une émission de billets datée du 19 juin au 2023 au montant de 702 $200. Considérant qu'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente d'émissions désignées ci-dessous, le ministère des Finances a retenu trois soumissions conformes le tout selon l'article 555 de la loi sur les cités et villes. Alors, il y avait une proposition de la financière Banque nationale au coût, donc le coût de financement est à 5,19566. La Caisse populaire Baie des Chaleurs au coût de 5,3. Alors, considérant que les résultats du calcul des coûts réels indiquent la soumission présentée par la firme financière Banque nationale est la plus avantageuse. Alors, pour ces motifs, il est résolu que le préambule de la présente résolution en fasse partie comme s'il était au long reproduit et que la ville de Carleton accepte donc l'offre qui lui est faite par Finance Banque nationale. Alors, conseiller, conseillère, si tout est conforme, j'apprécierais la proposition. Madame Denise Leblanc. On me dit que le son de la difficulté a été. Oui, je ne m'entendais pas. Mmh. Okay, merci. Ça va dans la salle, oui? Parfait. Merci. Alors, compte à payer maintenant au 31 mai 2023. Alors, les conseillers ont
discuter, questionner la présentation qui a été faite tantôt dans la séance de travail. Alors, il est proposé que la liste des comptes à payer et des dépenses pour la période du 31 mai 2023, au montant de 996 000 $ 383,84, soit acceptée telle que proposée. Alors, conseiller à conseiller, j'apprécierais une proposition, s'il vous plaît. Monsieur Esteban Figuera propose l'acceptation des comptes. Alors, on s'en va maintenant au point. On s'en va au point 6.4, adoption du budget initial 2023 et du budget révisé 2023 de l'Office municipal d'habitation de Carleton. Oui. Il y a des demandes de paiement qui vont suivre. Ouais. Alors, le dossier de l'Office municipal d'habitation, considérant que l'Office municipal a transmis un budget révisé 2023 le 1er juin et considérant que la contribution de la ville de Carleton-sur-Mer est de 10 % du déficit, pour ces motifs, il est donc proposé d'approuver le budget révisé 2023 présenté par l'Office municipal d'habitation de Carleton-sur-Mer et de payer la somme de 13 776 $ qui représente 10 % du déficit approuvé au budget révisé en 2023. Alors, conseiller, conseillère, j'apprécierais une proposition. Monsieur Turcotte fait la proposition. On s'en va maintenant au point 6.5, projet de remplacement des conduites d'alimentation du camping. Oui. C'est beau. Alors, projet de remplacement des conduites d'alimentation du camping. Alors, c'est la demande de paiement, le premier paiement pour l'entrepreneur qui est à la réalisation des travaux. Alors, considérant que la ville a octroyé un contrat de construction de l'entrepreneur numéro 91-61-43-96, Québec incorporé, pour réaliser la production du remplacement des conduites d'alimentation du camping municipal. Considérant que dans le cadre de réalisation de ce projet le 31 mai, l'entrepreneur a soumis une facture au montant de 730 563,34 $ sans les applicables pour les travaux réalisés pour la période du 1er au 31 mai. Et considérant que la firme Harpo Groupe Conseil a émis un certificat de paiement pour cette facture qui approuve que le montant de la facture est payable à l'entrepreneur. Donc, il est proposé que la Ville de Carleton approuve le paiement de la facture pour le mois de mai au montant de 730 563,34 $ et sans les taxes applicables pour la réalisation des travaux du 1er au 30 avril. Alors, conseiller à conseiller, j'apprécierais une proposition, s'il vous plaît. Madame Denise Leblanc fait la proposition. Et notre dernière demande de paiement, vous savez qu'on est en rénovation de notre l'aréna Léopold Leclerc. Donc, on est rendu au sixième paiement. Donc, on y va. Je vais vous éviter toute la lecture puisque vous connaissez relativement bien le dossier. Alors, surtout considérant que dans le cadre de la réalisation de ce projet, le 31 mai, Construction LFG a soumis une facture au montant de 594 624,73 $ sans les applicables pour les travaux réalisés pour la période du 1er au 31 mai. Et finalement, considérant que la firme Pierre Bourdage Architecte a émis un certificat de paiement pour cette facture qui approuve le montant de la facture et payable donc à l'entrepreneur. Alors, j'accueillerai une proposition pour qu'on procède au paiement pour construction et LFG. Madame Sylvie Tremblay fait la proposition. Alors, comme on vous l'avait expliqué, les points qui devaient être traités ce soir, un peu dans l'urgence, ont été faits.
Merci de votre précieuse collaboration. Donc, ça me prendrait une proposition d'ajournement à lundi prochain, même heure, même poste, pour traiter l'ensemble de l'ordre du jour. Madame Denise Leblanc propose. Alors, on met fin de cette façon à notre rencontre de ce soir. Si vous avez des questions, c'est quand même possible dans la mesure de notre connaissance, d'y répondre avant la levée officielle de l'Assemblée. Oui, Madame Desgarry. Bonsoir. Un petit préambule avant de poser ma question. Je suis très heureuse de dire que je suis heureuse d'être déménagée à la Belle Orange. Ça Si. concerne les repas. On fait la vaisselle soit hier, je parlais, je commence à connaître un petit peu le monde. Hier, je parlais avec une de mes voisines. Ça me tente plus d'aller au feu de la scène. Donc, ce que j'ai dit de moi, non. Là, j'en ai parlé à d'autres, dont les cinq derniers. Mais il y a un problème, c'est qu'on est tous à 100% là, pleine de vie. Mais on n'est pas pleine de l'eau qu'elle passe. Il y en a qui en ont encore. Et on ne peut pas rester 2 heures, 21 heures de vie. Ça fait que ce que j'ai pensé demander, là, je ne sais pas si vous autres, de prendre une décision simplement, de conseiller quoi faire, ou même quelqu'un peut suivre le cheminement. Ce que je demanderais, c'est qu'aux estrades, à côté du feu de la Saint-Jean, comment ça s'appelle? Pas l'atrium, comment ça s'appelle? D'accord. Oui. D'accord. Est-ce que ça serait possible de réserver comme 5 ou 6 places de chaises pour que les petites vieilles et les petits vieux, comme moi et plus vieux que moi, on puisse aller s'asseoir là? Donc, quelque chose comme j'ai téléphoné pour savoir à quelle heure le feu commence, puis là, ils ont dit, ben, celui qui m'a répondu, Gabriel, quoi. Ben, quelque part entre 9h30 et 10h, on arriverait vers 9h30. On s'asseoirait, on placoterait, on profiterait des paysages, on serait heureux d'être à l'aise, puis de voir le feu de la Saint-Jean, puis voir les jeunes se trémousser, être heureux de la vie. On décollerait vers 11h moins quart, les petits vieux, les petites vieilles qui se couchent tôt, puis ça. Mais on a besoin de se faire réserver une place. C'est une municipalité, à mi-décennie, je me suis dit, ben, je vais oser le demander. Moi, je pense que c'est, Madame Desgarry, une excellente suggestion. Si vous avez parlé avec Gabriel, vous savez qu'il est stagiaire dans l'équipe des loisirs avec Pascal, vous avez fait part de votre intérêt. Lui, surtout ce qu'il m'a dit, je pense, je ne sais pas si j'ai parlé de tout, mais j'ai demandé quand est-ce que ça commence là. Ouais. Puis là, il m'a dit qu'il serait aussi moins, ça je suis content, du point du vert. On va avoir un feu de la Saint-Jean vert. Il va être moins gros que d'habitude, faire moins de pollution que d'habitude. Ça, c'est magnifique aussi. Bon. Mais sachez que votre demande, elle est bon, notée par notre directeur général qui voit l'équipe quotidiennement. Moi, j'apprécie beaucoup cette suggestion-là parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont besoin aussi de se reposer. Donc, l'aménagement du site, moi, je ne le connais pas personnellement, mais Mais aussi ça serait comme si l'organisation de les lieu villages, qui là, va être trop conscientisée cool. ouais, du côté ouest. OK. Ben, merci. Mais Merci pour là, la suggestion. le courant ne peut pas entériner une proposition dans ce sens-là ce soir. Ben, je pense que c'était pas à l'ordre du jour, mais sans en faire une proposition, on va appeler ça aux gens pour que ce soit un analysé, puis avoir une réponse. S'il y a une question de problématique de logistique, on vous fera un suivi. Je pense que ça, personnellement, on va voir avec. Est-ce que je peux pousser plus loin, demander à main levée, est-ce qu'il y a des gens comme une majorité favorable à cette idée-là?
Monsieur Bernard vient de dire, effectivement, je crois que notre directeur général voit l'équipe très fréquemment. Puis j'imagine qu'à court terme, il va prendre la peine d'aller voir l'équipe qui s'occupe de ce dossier-là et de faire part de votre idée qui est très, très, très légitime parce qu'on ne veut pas une population de plus en plus vieillissante. Puis je pense que les besoins sont là, puis c'est plus nécessaire de penser de mettre en place une façon de faire là. Comme moi, il marche encore. On a besoin de s'asseoir. Il y a de plus en plus de vent. Mais est-ce que dans les nouveaux sentiers, dans votre plan d'aménagement qui n'est pas terminé, vous allez rajouter des bancs? Oui. Oui, dans le barrachoir. C'est pas prévu. Si ce n'était pas prévu, pouvez-vous le prévoir? C'est prévu d'en ajouter. Si votre demande est tout à fait recevable, écoutez. On pourra même revenir précisément. Je ne vois pas aucune contrainte à ça. Là. Je veux juste valider qu'il n'y a pas un cirque qui a prévu de s'installer à l'Agora, puis je ne serai pas au courant ce soir, mais à mon avis, c'est tout à fait possible. Là. On va s'assurer qu'il y aura ça pour vous et vos amis de Benavaquet. OK. Merci. Merci. Monsieur Leblanc. Oui, j'ai une question, puis ensuite, une autre affaire. Mais juste pour revenir à 6.4, je ne sais pas si vous êtes au courant des informations, mais si mes mathématiques sont bonnes, là, un déficit, vous payez 10%, donc 13 000. C'est un déficit de 130 000 pour l'OMH, là. C'est quand même big. Ou est-ce que c'est comme ça chaque année? Non, ben, tu sais, comme ça? C'est le. Nous, ça varie, mais ça varie un peu à la hausse là, au cours des années, là, mais c'est pas l'ensemble des budgets de l'OMH. Dans le fond, c'est vraiment pour les habitations à loyer modique. Yeah. Donc, c'est cette partie du budget-là où la ville s'engage à assumer 10% de déficit. Puis l'autre partie, dans le fond, le 90%, c'est la Société d'habitation du Québec là, qui est, dans le fond, qui est reliée au ministère des Affaires municipales. Donc, c'est la... Comment dire, c'est un peu la façon pour eux de gérer les contributions aux habitations à loyer modique. C'est-à-dire qu'il y a des revenus des dépenses, il y a toujours un déficit pour les habitations à loyer modique. Okay. Le gouvernement assume 90% et les municipalités assument le 10% manquant. OK. Ça marche de cette façon-là, ouais. Selon l'année, le déficit. OK, c'est pas une subvention qui est donnée, puis ensuite, je suis géré de cette façon-là. Ouais. C'est cette mécanique-là, puis dans le fond, là, c'est vraiment la Société d'habitation du Québec, ouais, en collaboration avec l'OMH, qui produit le budget, qui le fait approuver, dans le fond, qui génère le budget, qui le fait approuver par l'OMH et par la ville. OK, je vais prendre la question. Mon autre point, c'est un suivi le mois passé, qui a amené le point sur la situation problématique de trafic autour de l'entrée pour le camping sur le 132 à l'entrée de la rue Vermette, là. J'ai eu la chance de parler avec M. Parizé, qui est le directeur général du ministère des Transports dans la région. Puis lui, il m'a confirmé que ce n'est pas une résolution du conseil municipal qui peut être ensuite envoyée au ministère des Transports pour recommander un changement dans le blocage ou pour les vitesses, par exemple. Là. Donc, j'aimerais comme amener le point au comité d'urbanisme pour voir si une résolution peut être faite par le conseil. Ma suggestion, ça reste au comité de décider, mais que le changement de vitesse de 50 km soit mis comme panneau du côté un peu plus loin, afin de donner la chance des gens de traîner avant de descendre la côte, puis se laisser aller. Puis il gagne la vitesse au lieu de le reveal. Donc, avoir la représentation du comité, ça c'est une paire. Puis le dernier mois, j'ai aussi suggéré qu'une flèche pour aller comme tourner à droite sur le camping, là. Il y a la double ligne qui arrive là, quand on va vers l'est. Là. C'est pas indiqué que c'est vraiment une ligne pour tourner carrément. Puis je pense que ça peut éviter un accident éventuellement si c'est clairement indiqué que c'est juste une ligne pour tourner seulement, pas pour dépasser sur le gauche. Donc, c'est ça.
Puis la dernière affaire, j'ai mentionné pour la traversée à piéton, il était surpris que c'était enlevé en effet, même si c'est son dossier d'entente. Il veut valider son côté pas de retour, mais peut-être le comité fait aussi une recommandation à cet effet-là, parce que spécialement l'été, là, il y a bien du monde qui traverse le 132 sur vélo, puis pour aller au dépanneur ou avoir accès aux autres services quand même. Ils sortent de camping à pied à vélo. Donc, je ne sais pas si la municipalité peut aussi regarder ce point-là qui était parce qu'on pense qu'on se encore là, c'est une question de sécurité. Donc, déposer ces points. Merci. Merci. C'est noté. Merci de votre précieux contact. Faites vous en profiter. Ouais. Alors, on avait des questions. En ligne. Alors, on nous écrit ici en parlant de vente, est-ce qu'il serait envisageable d'en installer un ou deux sur l'espace gazonné dans le stationnement du phare? Ben oui. Oui, effectivement. Ça pourrait être assez tôt des très bonnes suggestions. Là, je vous dirais que la réflexion qu'on a, c'est d'en ajouter de manière régulière là, des bancs de ouais, sans m'avancer, de dire à toutes les 300-400 mètres dans les zones piétonnes qu'il y ait des bancs pour s'asseoir. Là, c'est un peu l'esprit qu'on a là. Ça fait que oui, c'est d'en ajouter sur le banc, c'est déjà prévu. Dans ce secteur-là, c'est une bonne suggestion aussi. Alors, merci, M. Essiam. Donc, on va acheminer ça à notre équipe au niveau de l'aménagement. Alors, merci beaucoup. Si vous n'avez pas d'autres questions ou remarques, on espère vous accueillir à nouveau lundi prochain. Même heure, même poste, ça nous fera plaisir de vous revoir. Merci. Oui, ah oui, j'échappais. Il nous faut une proposition pour lever l'Assemblée. Alors, à la tradition. Merci. Merci beaucoup. Merci.